Alors, l'AUC Ultimate, c'est le club de Aix-en-Provence, d'Ultimate. Donc, on a 43 adhérents qu'on reçoit en temps normal le lundi soir à 20h et le jeudi soir à 19h. L'AUC, c'est l'ex-université club. C'est un groupe d'une vingtaine de clubs de tout sport et de tout âge. Et donc, c'est eux qui nous fournissent le terrain le lundi. Alors, on accueille tout niveau. Donc, l'été, on joue tranquille. En début d'année, on reprend toutes les bases pour essayer de remettre tous les débutants dans le mood. Et puis ça fait jamais de mal de réviser les bases pour tout le monde. Et au fur et à mesure de l'année, on peut faire des entraînements en compétition. En sachant que dans tous les cas, on a deux créneaux. Donc indoor et outdoor. Et il y en a toujours un qui est du coup libre, où on inclut tout le monde dans les entraînements, quoi. Deux, trois, quatre, hop. Donc du coup, chez les T-Rex, on joue en open et on est redescendu en DR1, en indoor et en outdoor la dernière saison. On avait une équipe en mixte qui est montée en N2, qui est redescendue en N3. Depuis, on n'a pas assez de filles, donc on a un peu limité le mixte. On est en train d'essayer de redévelopper la présence des filles au sein du club au travers de stages avec la ligue qui vont avoir lieu normalement la saison prochaine, si tout va bien. Et on est en train de réfléchir à la création d'un créneau féminin ou en tout cas d'un créneau féminin sur quelques entraînements par mois. Voilà, c'est cool d'être chez T-Rex. Non, c'est un club qui est chouette. C'est un club cette année avec le Covid, il y a eu pas mal de mouvements, de choses qui se sont créées dans une période qui était pas forcément évidente, mais on a eu des chouettes soutiens de la mairie pour pouvoir s'entraîner régulièrement. On a eu des chouettes soutiens des autres clubs de rugby. Ça a créé une bonne cohésion. On a fait des événements un peu pour se faire connaître au niveau des débutants, avec un tournoi débutant il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est un club qui se renouvelle un peu et c'est assez agréable. On essaye de participer à des tournois, pas forcément des grands tournois pour pouvoir un peu motiver les débutants à tester. On participe à la LBU, la League Beach Ultimate 4x4, pour surtout faire toucher du frisbee aux débutants dans un esprit un peu sympa, à la plage, dans des conditions agréables. Bah, venez nous voir, on s'entraîne tout l'été et si vous êtes de passage en vacances dans le sud, faut pas hésiter. Hop. Hop.